donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul course Leclerc. Donc je fais toujours mes courses à Leclerc. Et vu que vous avez énormément aimé mon haul passé qui avait été assez rapide, on va essayer de recommencer niveau rapidité. Je vous mettrai cette fois-ci, comme on m'a demandé, les prix juste au coin ici ou dans un autre coin, on verra. Et en fait voilà, parce que je me rappelle pas tous les prix et je peux pas le temps de chercher sur le ticket de caisse, ça va être long. Mais pour le tout, donc il y en a pour une semaine et j'en ai eu pour 88 €. Donc j'ai un petit peu dépassé à la base le budget, c'est 70 €. Mais en ce moment on dépasse pas mal parce que bah voilà, et puis là il y avait la lessive à prendre, donc forcément ça augmente vite. On va commencer avec le surgelé, comme ça je range tout de suite. Donc j'ai acheté des glaces comme ça, des Esquimaux. Voilà, malgré la pluie j'ai envie de glace. Ensuite du poisson pané, j'ai pris du saumon. Je dis aussi de préciser un petit peu comment je compte les cuisiner. Donc c'est pas de la grande cuisine, mais le poisson pané ce sera sûrement avec de la purée. Le saumon ce sera avec une jardinière de légumes que vous verrez juste après. Ensuite de la viande rouge, ce sera sûrement aussi avec une purée maison. Je fais soit purée mousseline ou le chéri fait une purée maison. Et je faisais purée de légumes mais là on en a marre. Ensuite des gésiers, donc ça c'est pour le chéri parce que je déteste ça, rien que l'odeur, la matière, ça fait du gras et tout, j'aime pas ça. Ensuite j'ai pris des steaks hachés comme ça, frais, spécial burger, mais bon je pense qu'on s'en fiche un peu. Ensuite j'ai pris donc escalope de dinde, donc ça je peux vous dire le prix tout de suite, c'est marqué, donc 2,86 €. Escalope de dinde c'est pour donc faire avec de la crème fraîche et des haricots verts. J'ai repris des œufs, donc je prends toujours soit par 12, mais là il m'en restait 6, donc par 6. Et je prends toujours maintenant les bio élevés en plein air. J'ai pris des fraises, donc là ça va, elles étaient belles, 1,48 €, je me rappelle le prix. J'ai pris des céréales spécial cas, pour mon homme et pour moi, on aime bien. J'ai pris des spaghettis complètes, voilà, parce que c'est meilleur pour la santé. J'ai repris du gruyère, donc je les prends en petit, comme ça, ça évite de le laisser ouvert pendant 5 jours dans le frigo. Donc comme ça, ça se finit vite. Il y avait une réduction sur cela, donc j'ai voulu prendre voilà, ces céréales-là, mais sinon, en ce moment, j'ai envie de recommencer les bowl cakes, c'est pour ça que j'ai pris pas mal d'œufs et de bananes. Niveau bananes, voilà, j'ai pris ça, je prends pas de marque niveau bananes, mais je prends celles qui sont plutôt assez belles. Donc j'ai pris tout ça, il y en a 14 ou 15, parce qu'en fait, ma fille, du coup, je lui donne des fruits le matin, elle mange très bien sa banane entière, donc je suis contente. Et puis moi, si je recommence les bowl cakes, je mets une banane dans le fameux bowl cake. J'ai repris du Benko, c'est ce que le chéri, moi avant je préférais Nesquik, et en fait le chéri lui préfère ça, donc au lieu de faire chacun son chocolat, moi je suis pas difficile, donc c'est pas grave, ça me dérange pas, et au final maintenant bah, j'aime bien. J'ai repris du boursin, je voulais prendre du chamois d'or, le chéri adore ça, mais il était, enfin même c'est pas question du prix, il était emballé au frais en fait, directement il était presque à 4 € je crois. Mais en fait c'est qu'il tenait que 2 jours, donc c'était une énorme part à 2 pour 2 jours quoi, on va pas tout manger. Ensuite donc j'ai repris un liquide vaisselle, donc je prends toujours celui-ci, il est assez bien. J'ai pris un gel lavant pour les mains, normalement sur l'application j'avais vu que c'était le Manava bio à l'abricot qui était vraiment meilleur noté en fait, je crois quand même à 15/20. Mais il n'y avait plus, donc j'ai pris celui-ci, c'est Marc Robert toujours, mais c'est pas Manava, c'est Bio Naïa, mais c'est quand même du bio et à l'abricot. Ensuite j'ai pris un gel, un shampoing pardon, donc c'est celui qu'on m'a conseillé sur Instagram pour en fait les reflets dorés. Donc vu que mon soin L'Oréal à 20 € qui est chez le coiffeur en fait commence à être fini, c'est la fin. Et celui-ci apparemment c'est beaucoup mieux à travailler qu'un soin, parce qu'un soin, voilà, ça se voit sûrement, j'ai plus, j'ai des reflets un peu gris-violet et plus vert ici. Donc là le shampoing ça permettra de vraiment mieux faire partout et apparemment il marche super bien, faut pas le laisser longtemps. Donc du coup je l'ai pris, ça je me rappelle, il est à 3,99 €. Ensuite j'ai repris mon dentifrice. Pour bébé là j'ai pris donc des cotons. Je lui ai pris du coup une compresse, elle est tombée ce matin sur la lèvre et je lui usais la dernière compresse. Donc voilà, c'est mordu la lèvre. Bref, donc du coup, j'ai repris des petites compresses. Je lui ai repris du sérum physiologique, vu que là, je lui fais matin et soir quand on sort. Et vu que je suis encore un petit peu enrhumée, je lui fais pour pas qu'elle attrape. Donc je lui nettoie bien 2 fois par jour son nez. Pour elle également, j'ai pris du blanc de poulet. Donc celui-ci, c'est celui qui est le meilleur niveau note. Pas d'additif et tout, juste ça reste trop salé quand même. Mais bon. J'ai pris... ces petits biscuits au chocolat, c'est pareil, ça c'est les meilleurs niveaux notés, ils restent encore un petit peu trop sucrés,
Mais voilà, ça va. J'ai pris des petites barres de céréales, donc choco, noix de coco, donc ça, le chéri l'aime bien. Et puis c'est au riz, blé, avoine, donc ça va, ça reste des choses assez sucrées. Mais au niveau calories, c'est assez peu, donc quand j'ai un petit creux ou au goûter, j'aime bien prendre ça. Ou le soir, voilà, devant la télé, ça évite de manger une tablette de chocolat, je prends ça, c'est beaucoup moins calorique. Donc là, j'ai pris aux 5 céréales, riz, maïs, blé, avoine, seigle, on va goûter. Ensuite, donc, j'ai pris un pack de lait, donc je prends toujours généralement celui-ci, ça dépend. Des fois, c'est en vrai bouchon, des fois, c'est le Candia Vitamine qui est très très bon, j'adore. Mais ça dépend des promos, et sinon, je prends toujours celui-ci, donc 4,32€, je connais par cœur. Ensuite, niveau lessive, voilà, c'est pour ça que j'en ai eu un peu pour plus cher, parce qu'il fallait que je reprenne carrément lessive plus adoucissant. Donc, d'habitude, je prends toujours cette marque en bleu, c'est beaucoup plus frais. Mais bon, j'en ai marre, je trouve que le linge sent pas terrible, en fait. Donc là, j'ai pris à la vanille pour tester. Ensuite, j'ai pris ces lessives, parce que c'est les moins chers à prendre au niveau du kilo ou machin, je sais pas. Mais à prendre comme ça... les moins chers à 3,45€. Donc voilà, et puis je les trouve très très bien. C'est fleur d'oranger et aloe vera. J'ai pris une boîte de mouchoirs, donc voilà, je prends toujours cette marque là aussi. Je vois que c'est des nouveaux, là c'est marqué boîte optimisée. C'est 77 centimes. Ensuite j'ai pris du pain. Donc celui-ci c'est pain au céréales, donc moi je le trouve très très bon, 1,10€. Ensuite à 1,40€ vous avez des petits pains comme ça, voilà. Donc ça c'est bien à congeler quand voilà, on va pas à la boulangerie et tout, on a toujours quand même un petit peu de pain. Moi je suis pas déficitaire, j'aime bien le pain basique, petit prix Leclerc. J'ai pris une petite assiette, ça faisait longtemps je sais, c'est trop salé etc normalement, mais bon. Le midi si on mange juste ça niveau calories c'est bien en tout cas. Donc j'ai pris ça parce qu'il y avait moins 20% sur la carte. Donc là j'ai pris H fermenté. J'ai pris un lot, donc ça c'était 4€ les deux boîtes. Un petit lot de poêlé basquaise au jus de poivron. Donc il y a des petits haricots verts, pommes de terre et chorizo. Donc voilà, je pense qu'on en fera une ce soir. J'ai pris ça, je ne connais pas du tout. Je sais que la tante de mon chéri pour le mariage veut en faire en fait. C'est la brioche avec du fourré au saucisson en fait. Donc voilà, je vais goûter là je pense pour le goûter. Parce que j'ai pas beaucoup mangé ce midi, donc ça me ferait un petit goûter en fait. C'était pas cher du tout, 1,34€. Ensuite donc j'ai pris des conserves, donc haricots verts et jardinières de légumes. J'ai pris des compotes maternes sans sucre ajouté pour bébé et même pour moi je pense. Parce que là actuellement on en avait encore pour toute la semaine parce qu'il y avait eu un promo sur les blédina je crois en compote. Donc du coup j'avais pris, j'en avais déjà pas mal en fait. Mais là il y avait une promo aussi sur celle-ci, elles étaient vers 3€. Donc je les ai prises. C'est pommes, pêches, abricots. J'ai pris des petits pois carottes pour ma fille. Donc voilà, en légumes, elle mangera les haricots verts comme nous, jardinière. Elle aura ça, elle a des brocolis au congèle. Et donc ça le fera. Ensuite donc pour ma fille, pour le goûter, je lui ai pris des yaourts au chocolat. Et des yaourts à la vanille. Au final maintenant, je ne prends plus du tout la marque Nestlé. Parce qu'en fait... c'est mauvais, enfin Nestlé c'est pas terrible. Du coup je prends celle-ci au final, en plus elles sont un petit peu moins chères et puis c'est beaucoup mieux en fait. Et j'ai pris, donc ça c'est pour le soir, donc il y a framboise et à la banane. Donc voilà pour cette vidéo les filles, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si de temps en temps, je ne sais pas, une fois toutes les deux semaines, trois semaines, vous voulez voir des haul courses, donc dites-moi ça dans les commentaires, et puis donc normalement je vous aurais mis tous les prix à chaque fois en haut, donc j'espère que ça vous fait plaisir, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, gros bisous. C'est bien...